Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette session de webinaire concernant la solution MapEdit. Je vous remercie de votre présence et votre intérêt pour la solution MapEdit. Donc, ce webinaire est prévu pour démarrer à 10h. Donc, il est 10h. Nous allons donc démarrer cette session. Donc, MapEdit Desktop, donc c'est une solution qui se présente comme un applicatif qui intègre en fait une suite de solutions dans la base MapEdit. Ici, on va pouvoir éditer et analyser les données géospatiales, gérer les actifs et toutes les données objets, toutes les données qui vont être dans un environnement SIG et pouvoir les éditer. Et les annoter, les commenter et sur un serveur et un cloud souverain. Et on va voir comment cet applicatif va être utilisé pour répondre à des besoins métiers de gestion SIG, à des besoins de réseau, de VRD ou tout objet dans un mode SIG. Donc, on va démarrer la présentation. Cette présentation donc sera assurée par moi-même, Marseille Beltré, en tant que business consultant chez Man & Machine, travaillant sur l'offre MapEdit sur la France pour sa commercialisation. Donc la présentation, toute la partie technique, le développement et tout l'apport et concernant la solution sera développée par Philippe Froidevaux. Et on a aussi présent avec nous Franck Marcus, qui est le directeur général de Man & Machine Infrastructure à Stuttgart. Donc, si vous voulez vous présenter rapidement, Philippe et Franck. Oui, bonjour, Philippe Froidevaux. Donc, je suis directeur de Kenjis, consultant technique, faisant du support en collaboration et en partenariat avec la société Moom, surtout avec Moom Stuttgart et Moom Paris. Donc, je suis dans le support et l'installation technique des produits MapEdit en complément des employés Moom pour les parties francophones. Très bien, merci Philippe. Franck. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre temps. Je suis, comme Marcel dit, le directeur général de Man & Machine Infrastructure. Je crois que c'est aujourd'hui un très intéressant webinaire. Merci. Parfait, très bien. Merci à vous. Et donc, démarrons donc cette présentation. Cette présentation, en fait, fait partie d'une série de webinaires qui présentent la plateforme parce qu'effectivement, dans le sujet du SIG, il y a énormément de choses à gérer et la plateforme MapEdit couvre énormément de besoins, répond à énormément de solutions, énormément de problèmes rencontrés par nos clients. Et donc, on a programmé un ensemble de webinaires, un webinaire chaque mois, où on va pouvoir faire intervenir différents clients utilisateurs avec des cas d'usage bien précis, avec des besoins qui sont concrètement traités depuis plusieurs années par MapEdit. Et l'idée, c'est de vous montrer la puissance de la solution et comment justement il est intégré dans des usages concrets. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur MapEdit Desktop. Je vais me concentrer sur tout ce qui est gestion et d'approvisionnement de tout ce qui est réseau et avec cet applicatif qui sera présenté par Philippe. Donc le mois prochain, on aura effectivement un client utilisateur qui va nous présenter son travail et comment il intègre MapEdit dans son processus interne, comment MapEdit répond aux besoins internes, à son organisation, etc. Donc, chaque mois, il y aura une présentation où on se basera sur un applicatif, par exemple ici sur l'aspect mobile, avec nos applicatifs portables. Ici, on aura aussi MapEdit Portail. On pourra aussi discuter de l'aspect personnalisation de l'interface avec MapEdit App Builder. Donc, voilà. Donc,
Chaque mois, on a un rendez-vous sur la SIG pour pouvoir voilà, traiter et présenter cette puissante plateforme qui est MapEdit en France. Pour aujourd'hui, donc, concernant MapEdit Desktop, l'ordre du jour. On va, dans un premier temps, je vais rapidement vous présenter la société Man & Machine. Bon, sur un slide, ça sera assez rapide. Et avant de démarrer la présentation de MapEdit Desktop, et pour ensuite transmettre la main à Philippe, qui prendra toute la présentation dans une démonstration live, pour finir par conclure et, sur ce webinaire. Donc, Man & Machine, c'est un groupe, c'est un groupe allemand à la base, et qui est représent sur quasi tout l'Europe. Je vous affiche ces photos qui sont assez intéressantes parce que c'est des choses qui ne sont plus très possibles depuis la situation que nous connaissons. Voilà, donc ça, c'était nos dernières sessions, nos dernières réunions commerciales où on se réunissait chaque année pour pouvoir faire un point sur l'avancement de notre marché, etc. Donc, Man & Machine, c'est un groupe qui a été créé en 1984. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui dépasse les 250 millions d'euros. C'est 60 implantations sur l'Europe. Sur l'Europe et dans le monde. On est aussi en Chine, on est en Asie. C'est un groupe qui s'étend vraiment sur beaucoup, mais la forte présence est en Europe où on développe une activité qui couvre tant la partie industrie que la partie tertiaire, toute la partie construction, avec des offres de solutions logicielles qui répondent à des métiers. À savoir qu'on est premier partenaire d'Autodesk en Europe, donc on est le premier partenaire qui accompagne nos clients dans l'intégration des solutions Autodesk. Mais on est aussi partenaire d'Oracle, on a différents partenaires. L'idée, c'est on propose des solutions technologiques qui répondent aux besoins de nos clients. Ce qui est très important, c'est qu'on est aussi centre de formation et centre de certification. À savoir que toutes les solutions que nous proposons à nos clients, nous formons dessus. Nous sommes au centre de formation agréé et aussi nous certifions tous les acteurs qui se forment chez nous, soit par Certiport sur les solutions Autodesk ou par Building Smart dans les démarches de BIM et autres. Donc voilà pour cette présentation. Pardon. Donc, on va continuer donc avec la présentation de l'offre globale de MapEdit. Donc, MapEdit, comme je vous le disais, c'est une plateforme qui va permettre de gérer plusieurs besoins, plusieurs métiers, plusieurs interfaces. C'est une plateforme SIG qui va gérer de la donnée sur un serveur. Donc, on va trouver une base de données plus avec un serveur Map avec des applicatifs. Avec un applicatif MapEdit App Builder qui va permettre de configurer et gérer l'interface de la plateforme. Après, on va voir différentes solutions qui vont répondre à des besoins, à des usages. Par exemple, MapEdit Professionnel, c'est une applicatif qui va s'installer en dur sur votre poste, qui va avoir un environnement CAO CAD va vous permettre de travailler comme si vous étiez dans un environnement AutoCAD. Si vous êtes dans un environnement AutoCAD, cet applicatif peut aussi s'installer sur votre propre version d'AutoCAD ou AutoCAD Map et pour pouvoir justement traiter et créer de la data. Après, on a un applicatif qui est plus léger, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est MapEdit Desktop. Et MapEdit Desktop, donc, par contre, c'est un client léger qu'on n'a pas besoin d'installation lourde, qui va s'installer sur votre poste. C'est un double clic sur l'icône et là, il va ouvrir l'interface. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir travailler, annoter, corriger, créer de la donnée sans avoir un applicatif lourd de type CAO installé sur le poste. Donc après, on a MapEdit Mobile. C'est là, ce sont toujours une connexion entre les personnes qui sont mobiles sur le site, sur un projet. Donc, une liaison directe entre soit par tablette, soit par mobile, qui permet directement de pouvoir se connecter à la base de données et interagir avec les informations de la plateforme.
Après, on a MapEdit Portail, MapEdit App Builder qu'on vous présentera dans les différentes sessions à venir dans les mois suivants. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de se concentrer vraiment sur cet aspect MapEdit Portail, à savoir que le mois dernier, on a eu un webinaire qui présentait une vision globale. Ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur le site de Man & Machine et aussi vous le trouvez sur des vidéos sur YouTube où vous pouvez justement revoir ces données ou tout simplement nous contactant si vous êtes intéressé pour voir comment on va implémenter Portal, on va implémenter mobile, on va implémenter l'aspect desktop. C'est des solutions qui sont très intéressantes parce que dans une gestion SIG, dans une gestion de géodonnées, on a souvent, les profils sont divers et les besoins de chaque profil ne sont pas les mêmes. Et donc forcément, certains utilisateurs vont avoir un besoin de consulter, un besoin d'annoter, un besoin d'ajouter de l'information en étant mobile. Donc c'est pour ça que MapEdit propose toutes ces solutions. Donc MapEdit mobile, MapEdit desktop, pardon, c'est la solution qu'on va présenter aujourd'hui, qui va donc être l'objet de notre concentration et de vous montrer les avantages et les principales fonctionnalités que peut proposer MapEdit. À savoir que MapEdit de base couvre vraiment une gamme large de métiers. On a dans nos clients utilisateurs vraiment des profils divers et variés. À partir du moment qu'on a de la donnée, on a de la géodonnée à gérer et qu'on veut centraliser cette information pour pouvoir permettre à un ensemble d'acteurs de collaborer et de travailler communément, MapEdit s'avère être un outil idéal. Donc, MapEdit Desktop. Donc, c'est une application, comme je vous le disais, de bureau Windows, qui est utilisé pour l'information et l'analyse de données. Donc là, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez votre base de données, vous avez votre patrimoine, on va pouvoir consulter, annoter et gérer cette information à tout moment. On va pouvoir gérer l'ensemble de réseaux, eau, électricité ou tout type d'objets sur lesquels on va apporter de l'intelligence. On va pouvoir suivre le cycle de vie d'un objet grâce à MapEdit. Donc, MapEdit Desktop, c'est cette partie, c'est l'applicatif légère ou qu'on n'a pas besoin d'installer sur le bureau. Et donc, vous voyez ici l'interface. Donc, les principales fonctionnalités, donc c'est bien sûr une visualisation de toutes les données localisées, une modification des attributs, des données attributives, tant les données géométriques, donc on peut modifier une géométrie un parcours, etc. Donc on va pouvoir afficher et modifier toutes les données qui sont présentes sur le plan, donc gérer afficher l'ensemble des plans, les masquer, imprimer. Et donc on va pouvoir gérer, rechercher faire des recherches précises sur des données, annoter et aussi avoir une présentation 2D, 3D du site, des plans, de la situation où se trouve le projet, etc. Et voilà, donc c'est l'intérêt de MapEdit Desktop, c'est vraiment de pouvoir avoir la puissance d'une solution pour pouvoir enrichir votre base de données sans la lourdeur d'installation, la lourdeur de fonctionnement d'une plateforme lourde sur le PC. Donc, on va passer rapidement à cette démonstration où Philippe va nous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc, je passe donc la main à Philippe qui va reprendre cette présentation et aller en détail dans ce qui est MapEdit Desktop. Philippe? Oui, bonjour. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on va faire une présentation un peu des possibilités de MapEdit Desktop avec des données existantes d'un client, juste pour vous présenter différentes possibilités. Donc, déjà, l'interface utilisateur, au démarrage, vous avez la possibilité de choisir différents projets. Vous pouvez avoir autant de projets que vous voulez, les visualiser sous forme d'icônes, de petites icônes ou de listes, qui vous amènera directement à une visualisation de votre territoire complet
sur la base de différentes cartes qu'on implémente dans la visualisation du produit. Quand on parle des différentes cartes, elles sont connectées à différentes sources, qu'elles soient internes ou externes. Comme ici, le fond vient de OpenStreetMap. Donc, on a toujours ce qu'on appelle la carte de fond. Et on a toute l'interface utilisateur qui nous permet d'avoir autant des recherches qu'on peut prédéfinir que la gestion des couches qu'on veut visualiser sur votre carte et vos recherches. On peut mettre aussi des signets, donc toute cette partie de gestion permet de traiter. Dans la partie du haut, on a toute une série de rubans qui sont personnalisables en fonction des projets, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs projets qui vont vous permettre d'avoir différentes fonctionnalités en fonction des cas d'utilisation ou des réseaux que vous allez gérer. Cet environnement est multi-fenêtre, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur deux ou trois fenêtres. Si on prend directement des formulaires, ceci peut être placé sur d'autres fenêtres directement. Ici, je n'ai pas deux écrans à vous partager, mais tout est complètement gérable. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans le ruban sont configurables par les administrateurs de MapEdit pour offrir différentes fonctionnalités qui sont de type de fonctionnalités de base qui vont permettre de choisir les projets, de faire certaines opérations comme l'impression, les captures d'écran, différentes options. On appelle les vues générales ou des fonctions de zoom. On peut aussi utiliser tout ce qui est du redlining directement, donc l'annotation de dessin. Aussi du redlining plus évolué que vous pouvez construire avec des fonctionnalités de base et tout ce qui touche l'accès aux différentes données, que ce soit des outils de recherche, des outils de marquage d'objets ou l'accès aux différents formulaires et dialogues permettant l'édition des données. Ensuite, on peut aussi configurer tout ce qui est la sélection des objets, donc la façon de les choisir graphiquement, pour pouvoir traiter toutes les données qui sont à disposition à travers les cartes. Donc, le but, c'est de pouvoir soit travailler via des zooms, en ayant des affichages dynamiques qui vont changer à chaque niveau de zoom ou à des paliers de niveau de zoom qu'on va définir pour avoir toutes les informations nécessaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir traiter toutes les couches qui sont disponibles. On peut combiner, c'est-à-dire qu'on peut soit les activer manuellement ou implémenter des fonctionnalités qui vont intégrer directement des bascules de zoom qui sont prédéfinies dans le logiciel. Par exemple, ici, on peut y accéder via différentes fonctions qui permettent de basculer les couches pour activer, désactiver. Et puis, quand on a des couches beaucoup plus compliquées où on a différentes vues, donc là, on travaille sur le modèle d'un réseau électrique, on peut aussi aller soit activer différentes couches manuellement, soit intégrer ce qu'on appelle des bascules de couches pour voir exactement le même endroit avec une toute autre présentation. Arriver. Alors, désolé pour les lenteurs avec les multiples connexions et les VPN, ça ralentit beaucoup les solutions actuellement. Mais nous avons différentes bascules de représentation qui peuvent, on peut avoir automatiquement une vue, on va dire, du plan des câbles avec un fond qui est du cadastre pur, ou alors, comme on était avant, ce qu'on appelle dans une vue avec un dessin simplifié du fond et une représentation géoschématique du réseau. Le but est de pouvoir toucher le plus grand nombre possible d'utilisateurs, dans le sens où le plan des câbles, position des tubes et des câbles, va surtout toucher l'exploitation pour les travaux. Et la partie géoschématique, par exemple, peut toucher toute la partie ingénieur et
qu'on appelle analyse de réseau. Donc ça, c'est les différentes vues que nous avons sur les informations. Maintenant, nous avons en plus dans l'outil des solutions qui permettent de configurer différentes recherches qui peuvent être groupées ou non selon les informations que vous voulez traiter. Si vous recherchez sur, par exemple, un schéma électrique pour trouver une station, on peut le chercher par sa commune, par n'importe quel critère que vous allez définir vous. Ah, voilà, désolé. Philippe, on ne t'entend plus? Non, on fait une recherche. Ah, d'accord. On peut rechercher par exemple une station d'après son nom. On peut la rechercher selon d'autres critères. Par exemple, trouver une station par sa localité ou sa position. On veut retrouver la même. Donc, on peut directement. Donc, la fonction de recherche peut être paramétrée pour autant effectuer ce qu'on appelle la recherche d'objets, mais activer, désactiver les couches ou aussi ouvrir directement les informations liées à l'objet. Donc, c'est une fonctionnalité très puissante qui permet effectivement de faire des requêtes sur toute la base de données, sur tout le patrimoine. Toute la base de données, exactement. Donc, c'est les administrateurs qui vont régler toutes les possibilités de recherche. Donc, on peut rechercher différentes informations selon des thèmes. La même chose, on peut rechercher des clients par leur adresse, etc. On va ici. Si on veut trouver un client, voilà, donc là on va directement aller voir le client et effectivement, il y a cette latence, c'est dû au réseau, hein, au webinaire. Hein. Oui, alors là, on a le webinaire du VPN et beaucoup de choses. Donc, on a pas mal d'informations qui sont traitées un peu lentes des fois sur le. On va retourner sur notre station, parce que c'est surtout là-bas qu'on va montrer quelques exemples pratiques. Donc ici, par rapport à la donnée qui est gérée, ça peut très bien être effectivement l'identification d'un client ou l'identification d'un bâtiment, en fait, tout type de données. Tout ce qui est interrogeable dans la base de données peut être placé comme outil de recherche. D'accord. Directement. Et ici, on arrive directement dans la zone qui nous concerne, donc on peut… ici, voir différentes informations sur le réseau. On peut aussi aller de manière assez simple, aller trouver des informations, par exemple, sur un conducteur. De façon plus graphique, avec toutes les informations qui sont nécessaires, on va dire, l'utilisation dans le cadre du projet des informations que vous avez besoin de diffuser.
Donc ça, c'est vraiment les principales caractéristiques, on va dire, du produit. Tout ce qui concerne ce qu'on appelle les formulaires pour l'édition et la visualisation des données sont aussi configurables et disponibles pour les administrateurs pour proposer les formats, les données à voir, les droits d'édition ou pas sur certains objets. Et puis, on a différentes possibilités quand on a tout préparé son projet de voir dans les environnements, par exemple, voir le schéma interne directement de la station. Un petit moment, je pense. Oui. Donc, à savoir que là, tu travailles concrètement sur un projet qui est hébergé sur un serveur. Oui, D'accord. ici, on est justement connecté en VPN, on a quelques lampes qui arrivent. Et repartir de notre vivant. Donc, c'est là qu'on traitait. Ce que je vois. Différentes couches d'informations qui disparaissent. Donc, on peut aussi aller traiter ces différentes informations à la main pour activer et désactiver les couches. Partir sur quelque chose de plus. Espérons que nous ayons tout ce qui vient. Donc là, il y a quand même pas mal on va dire, de transactions réseau qui viennent directement sur différentes choses. Donc, on peut basculer vu où on était en mode, ce qu'on appelle géoschéma, qui permettait de voir des dessins simplifiés du réseau dans un monde réel. Ici, on a la même vue du réseau, mais sous une forme de schéma orthogonal qui sert plutôt à du pilotage de réseau, mais qui permet aussi de faire des bascules pour dire je veux voir la station d'à côté, où elle est et sous quelle forme elle vient. Donc là, on peut intégrer différentes fonctionnalités qui sont disponibles pour tous les utilisateurs. En fonction de leur méthode de travail. Donc ça, c'est la principale chose dans la visualisation du réseau. L'outil est aussi utile pour tout ce qui est documentation du réseau, dans le sens où on aura différentes possibilités de visualiser le réseau. Donc, on peut avoir des visualisations et interroger des objets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici aller interroger la station qu'on a mise. On a aussi la notion d'infobulle, donc qui va venir automatiquement générer, qui sont des informations, on va dire raccourcies, hein, qui permettent d'avoir des informations immédiates à l'écran pour ce genre d'objet. Plusieurs objets ont des infobulles. C'est toujours les administrateurs qui vont gérer ce qui est affiché dans les infobulles et sur quel type d'objet on les met. Et pour toute la documentation réseau, donc on a nos informations qui sont disponibles sous format attributif. On a aussi la possibilité de gérer des documents liés. C'est-à-dire que là, on va avoir différentes informations qu'on peut lier sous forme de photos, de documentation technique du réseau, qui peuvent être consultées de façon très simple.
voir, par exemple, les photos de l'intérieur de la station. Ça peut être aussi de la documentation technique des fabricants qui sont attachés aux objets. On peut avoir comme documentation aussi différentes informations où on pourra annoter. Je vous présenterai après pour différentes choses. On peut aussi, dans la partie ce qu'on appelle documentation du réseau, imprimer les différentes cartes où vous allez choisir des niveaux d'échelle, des formats automatiques, si vous avez des échelles automatiques, de pouvoir placer, de mettre aussi des différentes informations sur votre carte. Donc, elle va prendre, votre carte va toujours prendre ce qui est comme couche imprimée à l'écran. On peut aussi mettre de la rotation. On peut faire des livres de cartes et de différentes choses hein, qui sont possibles avec l'impression. Et notre plan va se générer automatiquement avec les informations que nous, on a mis à l'écran. Donc, si vous avez une orthophoto ou un autre fond, ce sera celui qui sera utilisé à l'écran qui sera mis. Et nous avons aussi la possibilité de rajouter des informations pour ajouter des branchements, par exemple, hors service ou des armoires de raccordement. Donc, de créer une légende qui peut être configurée. Et puis après, on va pouvoir générer soit une impression directe, soit un PDF qu'on va automatiquement créer. C'est ce qui est quand même une solution très puissante, parce que c'est aujourd'hui pouvoir imprimer un plan avec la dernière donnée à jour et sans avoir à ressaisir ou autre. Là, on travaille sur une donnée qui vit constamment et lorsqu'on décide d'imprimer, on imprime la dernière donnée à jour. La dernière donnée à jour. Donc ici, on est connecté sur un serveur qui est à jour en continu et on peut facilement avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Donc ça, c'est une partie de la documentation réseau. Maintenant, une autre documentation réseau qui est disponible aussi, c'est de dire on veut avoir certaines informations sur certains objets qu'on veut sous forme de rapport. C'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, une armoire. On a ces documents, mais en plus, on peut générer ce qu'on appelle des rapports qui sont des fois utiles dans l'électricité ou dans d'autres choses, dans d'autres produits, qui permettent d'avoir des rapports sur l'état d'une armoire et autres, et d'avoir ces informations, par exemple ici, de connaître tous les départs avec leurs caractéristiques, hein, avec les types d'appareils de couture, les différentes choses qui sont faites. Et ce rapport peut aussi être sauvé en PDF ou généré en PDF, et selon les besoins des clients. Donc, tout ça, on est dans l'approche d'une documentation réseau. Ce qu'on appelle aussi la documentation réseau, qui est assez importante pour les utilisateurs, c'est aussi de pouvoir effectuer certains critères sur des objets. Par exemple, de pouvoir dire je veux contrôler ici. Déjà ouvert. Maintenant, on va pouvoir dire on veut rechercher par exemple tous les photos supports de ligne aérienne qui sont de 2008 parce qu'on devrait par exemple les changer ou les contrôler. Voilà, donc on a nos différents photos. Ces objets peuvent être transférés dans des couches de dessin provisoire où on va mettre différentes informations pour les représenter. On voit quelque chose. Je vais les faire assez grands et on va directement représenter nos différentes informations. On peut mettre un peu petit, ce que je vais faire. Pour des grands territoires, ça devient assez compliqué. Mais on a notre représentation qui est une représentation, par exemple, de tous les poteaux
qui ont été posées en 2008, où on peut remettre notre géoschéma et avoir un aperçu avec le réseau. Et on fait soit une carte, soit de pouvoir les partager. C'est-à-dire que quand on vient après dans cette documentation réseau, notre couche de redlining peut être exportée ou enregistrée sur le serveur pour être partagée avec tous les utilisateurs ou exportée au format DXF pour pouvoir le transférer dans un autre logiciel ou le partager avec des personnes externes. On est d'accord, toutes les impressions qui sont faites sont consultables et indissables ou si gérées dans la base de données, on peut y revenir par la suite? On peut, sur ce redlining, on peut revenir par la suite, oui. Ça reste pas, c'est pas des données qui sont dans la base de données, ce sont des données qui sont dans le... On ne peut pas tout mettre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Ça prenait beaucoup de temps et beaucoup de couches de tous les thèmes. Donc ici, ce redlining, ce sont vraiment des objets de dessin qui permettent de documenter le réseau ou d'exporter une partie du réseau sous une forme différente pour avoir les informations. Et on peut facilement ici avoir toutes nos données avec ou sans redlining directement. Ensuite, ce redlining, on peut le composer, hein, c'est-à-dire qu'on peut rajouter d'autres informations selon d'autres critères pour marquer ces objets. Ce que tu appelles redlining, on parle bien d'annotation. Hein. Le redlining, c'est l'annotation. Donc, quand on parle de fonction d'annotation, c'est-à-dire que c'est des objets temporaires, donc ils sont ici, sont que pour la session de l'utilisateur. Mais comme je vous l'ai montré avant, on peut très bien l'enregistrer ici pour. On peut l'enregistrer en local, donc qu'il soit permanent sur l'ordinateur, ou on peut l'enregistrer sur un serveur pour qu'il soit disponible. Par exemple, si vous faites une étude et que vous voulez transférer à un autre utilisateur, lui il peut reprendre vos annotations pour les mettre dans ses couches à lui. Et éventuellement l'exporter au format DXF si ce genre d'information doit partir à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un outil assez... Le redlining est très puissant. Donc quand on parle d'annotation, on peut faire ce qu'on appelle des études directement sur différents objets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dessiner différentes fonctions ici en haut. Il y a énormément de possibilités. Et on peut aussi, par exemple, faire des configurations de symboles et de différentes choses qui seront automatisées. C'est-à-dire, si vous voulez faire un projet pour mettre une future station, vous allez mettre un câble projeté qui part de votre station. Alors là, on ne bénéficie pas de point d'accrochage directement. Et puis, on peut mettre différentes autres informations à côté de son redlining pour composer différentes informations qu'on va mettre pour. Par exemple, un projet. Donc ça, c'est toutes les informations que vous pouvez faire. Et vous pouvez l'inclure dans votre impression. Où il sera aussi intégré pour une documentation de projet. J'ai pris un petit, mais on arrive à inclure toutes les informations que vous avez besoin dans l'impression aussi. Donc, si on reprend. Donc, vous avez la possibilité de choisir des échelles, de faire différentes choses pour
l'impression et vous aurez tous vos objets cette fois qui seront dans votre documentation qui peut être transmis à un bureau d'études ou à différentes personnes, en interne ou en externe. Donc ça, c'est les différentes possibilités qu'on a pour, on va dire, ce redlining. Cette couche peut être désactivée. Donc quand on parle de redlining, d'annotation, les annotations, ça peut être des objets qu'on dessine, ça peut être aussi des objets, je ne sais pas si vous êtes tous au courant qu'il existe des formats KML, KMZ qui peuvent être intégrés. Par exemple, un bureau vous fournit toute une étude sur le format KML, KMZ, vous pouvez l'intégrer comme couche de fond. Et vous pouvez aussi, dans le redlining, intégrer des accès à des couches WMS qui seront gérés comme des objets de redlining. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie qui est très intéressante pour documenter ou projeter les modifications du réseau qui sont assez importantes. Les autres possibilités, ce sont différentes, ce qu'on avait dit, hein, les différentes vues du réseau en fonction des affichages. Maintenant, il existe des outils qui sont aussi disponibles, qu'ils soient pour la documentation réseau ou surtout pour l'analyse du réseau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir de certaines informations, je vais vous le présenter ici, faire ce qu'on appelle de l'analyse réseau. Un exemple, depuis un raccordement, on voudrait savoir depuis où il est monté, quels sont tous les autres raccordements qui sont alimentés par la même source. Donc, on va pouvoir utiliser des fonctionnalités, ce qu'on appelle de suivi de parcours, à partir d'objets. Donc, maintenant, le client vous téléphone et vous dit j'ai des problèmes d'alimentation ou je voudrais planifier des travaux, ou même vous, hein, si vous voulez planifier des travaux. On va pouvoir utiliser des fonctionnalités de parcours de réseau qui sont intégrées dans la partie MapEdit, qui va se gérer tout ce qui touche la topologie qu'on va définir, donc la topologie, la connectivité du réseau, où on va dire je pars depuis mon point électrique qui est ici, je veux faire une propagation dans les deux sens puisque je veux connaître le parcours jusqu'à l'armoire ou à la station qui alimente et tous les clients qui sont alimentés par le même départ. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous l'électricité, mais on va partir d'un point. Comme condition d'arrêt, on va lui ajouter une classe d'objet qui va être un « je pars » pour ne pas traverser tout le réseau. Et puis, on va faire son suivi du réseau et on va avoir le résultat ici du suivi du réseau pour les objets traversés, donc que ce soit des branchements, des conducteurs, les listes d'objets, on peut filtrer ce qu'on veut apercevoir. Et on a aussi l'aperçu de tout ce qui est alimenté par ce même, par le départ qui alimente le branchement qu'on a utilisé au départ. Donc ici, c'est assez rapide et on a un marquage de tous les objets d'une façon graphique. Mais quand on revient sur notre puits de réseau, donc on a ici, on a la possibilité d'accéder à tous les objets qui sont touchés par le parcours. Donc on aura nos 13 qu'on peut passer en revue. Nos 13 ou autres objets. Par contre, on peut aussi, puisque le marquage qui est fait derrière, c'est surtout du marquage temporaire. Donc, c'est ce qu'on appelle du highlight, des objets de la surbrillance. Maintenant, on peut très bien aussi sauvegarder le résultat du parcours topologique. Différentes fonctions. Hein. On peut le marquer avec
pas tous les symboles. Voilà, un triangle, on va lui donner, il sera... Et on va pouvoir aussi, à partir de notre résultat topologique, dire, je vais aussi voir tous les conducteurs qui sont impactés. Et faire la même chose, donc les transférer dans le... dans le redlining, par exemple, pour une étude ou et on va les dessiner. Donc on va revenir parce qu'il a marqué des objets qui sont dans des schémas internes, hein, mais notre résultat est toujours conséquent. Et si on revient ici dans notre dessin, on aura nos informations de redlining qui seront positionnées et on pourra supprimer la surbrillance des objets. Et on n'aura que notre partie de réseau marquée qu'on pourra soit exporter, soit traiter. Donc ça, ces outils de parcours de réseau permettent soit de faire de l'analyse selon différents critères, hein, donc il y a plusieurs possibilités de configurer ce qu'on appelle l'analyse de réseau qu'on a vu ici. Donc, on peut configurer différents types de gabarits avec différentes contraintes, avec des différentes conditions d'arrêt et de pouvoir toujours visualiser le résultat. Tant que ce module est ouvert, vous avez toujours le résultat qui est dans une fenêtre séparée du produit et qui permet justement de traiter toutes les informations que vous voulez voir et de façon assez simple de les marquer. Donc, ce parcours de réseau permet d'identifier énormément de choses dans les possibilités. Ensuite, quand on parle des possibilités qu'on a pour éventuellement faire des travaux ou du marquage, des fonctionnalités qui sont aussi incluses dans le... Ici, maintenant, on voudrait faire une étude ici pour aller voir comment sont mes informations et on peut ouvrir directement ce qu'on appelle des fenêtres OpenStreetView pour être plus, on peut le mettre sur un écran à côté quand on a la place. Pour voir les différentes informations qu'on a autour pour traiter nos différents objets. Donc, on peut très bien retrouver des stations, des armoires de cette manière-là. Si je le referme, on est ici. On a une vision directe de la position où on se place. Hein. Maintenant, on peut aussi se déplacer via OpenStreetView. Donc, moi, je me suis déplacé dans la carte de Google Maps hein, et ça m'a passé automatiquement ailleurs dans nos recherches. Donc, ça, c'est toutes des possibilités qui sont offertes aux utilisateurs directement pour traiter ces différentes informations quand on ne sait pas où c'est, de voir l'environnement, etc. où on se trouve. Donc ça, c'est tout de l'analyse réseau avec les possibilités de tout effectuer. Maintenant, le logiciel offre aussi différentes options. On a déjà traversé pas mal, hein, qui permettent de parcourir ces réseaux, de faire différentes vues. Maintenant, vous pouvez aussi intégrer ce qu'on appelle des couches, on va dire,
externes, de type, par exemple, des stations de charge de véhicules. Alors, on va voir si on a, Voilà, donc on va pouvoir se connecter, par exemple, sur un site externe qui offre, par exemple, une vue de toutes les stations de charge de véhicules avec leur utilisation actuelle. Il y a celles qui sont rouges, qui sont en cours d'utilisation, celles qui sont vertes où on peut aller charger ses véhicules. Donc, tout ce genre de choses peut être facilement intégré dans les différentes possibilités du logiciel. Et ensuite, il y a toute la partie, on va dire, d'acquisition de données. On va retourner dans notre exemple, Salini. On va pouvoir. Je vais juste mettre l'information. Donc, pour vous montrer, on a fait différentes opérations, mais si on veut mettre notre header heading, il est toujours actuel. Hein. Donc, on ne l'a pas effacé, il va rester disponible pour différents usages. Donc, ici, on a différentes fonctionnalités qu'on peut intégrer. Donc, on peut aussi, ce qu'on appelle, améliorer l'interface en développant certaines fonctionnalités qui vont, par exemple, vous permettre d'avoir un accès direct à des données du registre foncier, donc du cadastre hein, directement, pour savoir les informations où on a accès aux données publiques, donc de savoir la surface d'un parcelle et les différentes informations. On peut aussi intégrer différentes fonctionnalités qui vont, si vous avez, par exemple, des informations de documentation, de plans déjà préparés. C'est-à-dire, on va pouvoir aussi intégrer des fonctionnalités qui nous permettent d'avoir différentes visualisations. Ici, je n'ai pas accès, mais on peut accéder à ce qu'on appelle des plans déjà imprimés, ce qu'on appelle la répartition des plans. On peut ensuite faire ce qu'on appelle la saisie d'informations. Alors, le but de MapEdit Desktop n'est pas de faire l'acquisition complète du réseau, parce qu'il n'a pas d'outils. On peut dessiner, on peut faire de la saisie graphique, mais ce n'est de loin pas aussi puissant qu'un outil basé sur la DAO-CAO, tel que MapEdit Professionnel ou les produits Autodesk Map, qui sont disponibles. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle de l'acquisition de données en disant je veux aller, par exemple, modifier des informations. Par exemple, avant, on a fait du traitement sur des supports. Maintenant, dans MapEdit Desktop, l'avantage que ça a, c'est que vous pouvez donner des droits qui permettent d'avoir des modifications uniquement à certains utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut dire que 90% des utilisateurs ne font que de la consultation et de la recherche. Quelques utilisateurs vont faire, selon leur métier, enfin leur rôle, certaines possibilités de saisie. C'est-à-dire qu'ici, sur un support de ligne, un photo, toutes les informations, en général, transitent via des logiciels tiers qui vont faire des interfaces avec des outils de relevé et de contrôle de qualité des photos. Et puis, on peut simplement dire maintenant un utilisateur a le droit d'aller modifier qu'une partie du formulaire pour ne mettre que ce qui est propre à son rôle. Donc, il peut mettre ses différentes informations et de mettre des décisions de candidat et de mettre à jour ses données. Donc là, les données sont mises à jour automatiquement dans la base de données. Hein. Il n'y a pas de couches particulières qui sont dans le processus. On va rafraîchir. Donc on peut faire ce genre de saisie. On peut aussi offrir la saisie complète de certaines informations. Donc là, nos modifications sont enregistrées. Si on va sur un autre poste, elles sont aussi directement mise à jour.
Donc là, il y a énormément d'informations qui sont disponibles et qui peuvent être faites en saisie, surtout attributives, quand on parle de map edit desktop. C'est-à-dire que la construction générale du réseau sera sur un outil DAO CAO et la partie complément de données attributives où, par exemple, ici, où on a la possibilité de faire ce qu'on appelle la saisie de plan de développement, où toutes ces données pourraient être acquises. Ici, c'est des questions de droit. On peut ouvrir les droits pour qu'une personne qui fait ce travail-là puisse faire l'acquisition de tout ce qui est des plans de développement et des fonds d'investissement. Philippe, là, c'est toutes les possibilités qu'il y a sur ce produit. Oui, Philippe, oui, tu nous as justement parlé de la partie organisationnelle avec les différents profils. Et selon ton expérience, à quel type de profil dans une organisation map edit desktop pourrait justement être destiné, à savoir qu'on a map edit professionnel, map edit, en fonction de différentes solutions. Selon toi, map edit desktop, quel type de profil généralement tu le profil des utilisateurs touche, si on prend une entreprise de gestion de réseau, hein, que ce soit de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement ou d'autres types de réseaux, on aura toujours à peu près la même proportion. Si on prend par exemple 10 personnes qui vont faire la saisie lourde du réseau, qui est vraiment du travail de relevé, construction de réseau, on aura toujours 10 fois plus de personnes qui vont utiliser Map Edit Desktop dans le sens où c'est un outil d'analyse qui peut être effectué pour l'analyse du réseau, le complément d'information et qui va être utile pour la partie ingénieur, pour l'étude, pour la partie, on va dire, contrôle du réseau, la partie documentation du réseau et une partie qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle les call centers quand il y a des problèmes de distribution ou d'interaction avec la clientèle. Hein. Donc là, un client peut facilement venir et téléphoner. Vous avez l'accès direct via les recherches. Hein. Par exemple, un client vous téléphone, il va vous donner ses différentes caractéristiques. Hein. On va dire, s'il connaît son numéro, on peut mettre directement son numéro. C'est comme ça. Voilà. Et donc, il a ce numéro. Le call center, il a directement l'information où il est. Et avec certains outils qu'on peut leur mettre à disposition, de connaître directement s'il y a d'autres clients qui sont coupés, pas coupés, s'ils sont au bon état pour pouvoir identifier la source des problèmes. Donc, ça, c'est toute la partie qu'on peut faire avec Map Edit Desktop. Mais le champ d'application de Map Edit Desktop touche un peu tous les domaines de l'entreprise. Hein. Donc, il y en a qui vont utiliser la partie géoschéma pour la recherche de clients et d'analyse réseau, ainsi que les ingénieurs. Tous ceux qui font de la construction vont utiliser, par exemple, des cartes qui sont sous format de plan des câbles, avec la disposition des traces, des tubes et des coupes. D'accord. Et puis, il y a d'autres types d'applications aussi qui peuvent être là. Donc là, ici, dans cet exemple-là, hein, on gère aussi tout ce qui est perturbation, tout ce qui est un peu spécifique à chaque client, hein, mais les perturbations, les plans d'investissement, les différents types de choses. Donc, comme ici, on ne le voit pas parce que c'est un système de développement, mais sur leur système de production, ils ont les pannes qui arrivent, les pannes qui sont gérées par le SCADA arrivent en temps réel, enfin, décalé de 5 minutes, dans le système MAPEDI. D'accord. Écoute, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est une solution qui est riche et complète, il y a énormément de possibilités. Là, tu nous offres rapidement les principales richesses, on va dire, de MAPEDI, mais il y a encore énormément de choses à découvrir sur la solution. Oui. Et là, effectivement, c'est en fonction du besoin utilisateur, je pense, hein, qu'il faut aller plus loin. Alors,
la mise en place de ce genre de solution, comme un public beaucoup plus large qu'une solution d'acquisition de données lourdes, a besoin d'être implémenté en connaissant les tenants aboutissants de chaque rôle qui vont utiliser le logiciel. Ça se fait avec succès. D'accord. Maintenant, je te laisse représenter parce que je vais encore parler. Très bien, parfait. Donc, je te remercie donc pour ces explications qui sont très claires. Et on pourrait bien entendu aller encore plus dans le détail si vous avez d'autres questions. Donc, je reprends donc cette présentation pour continuer et conclure. Oui, il y avait juste. Donc, il y a aussi cette organisation et l'environnement que tu peux aussi nous parler, à savoir entre la base de données, les solutions, les métiers, etc. Qu'est-ce que justement tu peux nous dire là-dessus? Alors, sur l'environnement de MapEdit, on va dire desktop, principalement, puisqu'on parle de desktop, mais c'est aussi valable pour les applications professionnelles et mobiles. La construction, c'est on va pouvoir travailler avec des solutions diverses où on va passer par soit des produits Autodesk, soit des produits MapEdit, comme le App Builder ou l'infrastructure admin d'Autodesk pour configurer un modèle métier dans une base de données. Et ils seront accessibles, comme le veto topographique, l'électricité, le chauffage urbain, etc. Tout ça va être disponible dans les produits MapEdit, de toute la gamme de produits et en fonction des arrivées des nouveaux modèles métiers, des nouvelles possibilités comme l'eau usée ou les télécommunications. Ils peuvent, s'ils sont compliqués à migrer, par exemple un client pourrait très bien avoir un modèle électrique qui est construit sur Autodesk Map 3D, qui est consommé dans MapEdit Desktop, c'est le cas que je vous ai présenté. Et puis avoir un autre modèle qui sera utilisé avec du pur App Builder, donc avec peut-être du Postgres ou du PostGIS, et qui sera utilisé que dans MapEdit professionnel et MapEdit desktop. Ça permet aux utilisateurs de prévoir l'implémentation par type de solution et pas de devoir effectuer forcément toujours une migration complète de tout le système. Donc, on peut mélanger des environnements hybrides. Je peux passer au suivant. Et après, j'aurai terminé. Voilà, donc, il est bien clair que pour mettre en place un logiciel comme MapEdit Desktop, nous, on a vu pour l'instant que la partie du client qui, lui, est connecté à un serveur MapEdit. Donc, c'est serveur MapEdit qui peut fournir pour MapEdit desktop, MapEdit mobile et MapEdit professionnel, qui lui va se connecter sur différentes serveurs de cartes qui vont être de différents standards, hein, que ce soit infrastructure MapServer, MapGuide ou même du MapEdit qui permet aussi de générer du graphique. Et qui on est d'accord que l'IMS n'existe plus, hein, mais aujourd'hui n'est plus disponible. Oui, maintenant c'est du MapGuide, hein, OSG ou MapGuide, mais l'infrastructure MapServer n'existe plus. Et puis, dans la partie base de données, donc ce serveur MapEdit va pouvoir se connecter sur différents serveurs de cartes et sur différents serveurs de base de données, que ce soit du Oracle, du Postgres, PostGIS ou du SQLite. Très bien. Donc, un peu l'environnement qui est de base pour une utilisation de MapEdit Desktop. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toute cette base de données, on peut être peut-être souveraine et peut-être installée chez le client. Enfin, le serveur, il est où le serveur MapEdit? Il y a deux solutions. Il y a soit une solution, ce qu'on appelle installée chez le client sur site. Hein. Donc, c'est le client qui a ses serveurs et ses différentes configurations. Et puis le client chez lui aussi. Et il y a Moom offre aussi la possibilité d'avoir un hébergement Amazon hein, pour tout ce qui est du serveur MapEdit, des serveurs de cartes et du serveur de base de données.
Donc là, ce sera un sujet d'un prochain webinaire. Okay, voilà pour parce qu'on dépasse déjà un petit peu l'heure. Voilà, très bien. Donc ici, donc, on va pouvoir rapidement reprendre un petit peu les différents points qu'on a vus, à savoir la performance de la solution MapEdit. C'est une suite qui est très performante et qui a un temps de réponse très rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est dans un mode de webinaire avec différentes configurations, VPN, avec le flux du webinaire, etc. Mais c'est une solution qui est vraiment avec un temps de réponse très 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 rapide et très performant. Et donc c'est une solution qui est évolutive avec lorsque vous avez plusieurs utilisateurs, donc on peut configurer le mode d'utilisation pour permettre à un ensemble et à plusieurs utilisateurs de pouvoir travailler sur la même base de données, donc et intégrer d'autres profils avec d'autres outils dans cet environnement. Donc on a compris que c'est une base de données centrale avec différents profils qui vont graviter autour de ces données. On va bien sûr avoir une intégration souple des serveurs de données et des cartes. Donc c'est ce que Philippe a pu vous montrer. Une interface utilisateur, bon, assez simple, hein, tant pour la partie pro que desktop. Ce qu'on a pu voir, c'est des rubans c'est des rubans qui présentent des fonctionnalités, bon, qui nécessitent quelques jours de formation, mais c'est pas quelque chose de très lourd à prendre en main. Et bien sûr, la solution est optimisée pour les produits Autodesk et les bases de données Oracle et Open Source. Donc, il va prendre, parce qu'on va pour MapEdit, va pouvoir s'installer tant que sur de l'AutoCAD Map, comme on l'a dit précédemment, ou un environnement CAD qu'il faut revenir avec MapEdit. Et bien sûr, on est sur de l'open source, on est sur des bases de données open source ou de l'Oracle, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Là, donc, c'est une solution. C'est une solution SIG qui est très cohérente, voire la plus cohérente dans le monde des utilisateurs Autodesk. Oui. Et qui s'interface parfaitement. Et aujourd'hui, il gère concrètement tant que la donnée géométrique que la donnée attributive. Donc, on a une parfaite maîtrise de la plateforme sur laquelle on va s'intégrer avec une configuration simple et facile, comme on a pu vous le dire, avec une interface qui va être dédiée à cet environnement, à cette configuration. Et aussi cette possibilité de personnaliser l'interface pour y intégrer vos propres usages, vos propres besoins ou interfacer vos propres applicatifs. Donc, c'est ce que permet de faire MapEdit, puisqu'on va vous permettre en fait, d'accéder aux API qui sont documentées et qui sont disponibles une fois que la solution est acquise. Donc, en gros, MapEdit, c'est cette plateforme technologique qui regroupe plusieurs solutions. On vient de voir MapEdit Desktop. Donc, on verra prochainement les autres solutions, notamment la prochaine fois la partie MapEdit professionnelle qu'on abordera sur le mois d'avril avec une expérience client, le client ESB Biel, on va traiter aussi la partie des gestions des eaux, on va vraiment rentrer dans le détail, dans un cas concret client. Donc, on présentera cet aspect professionnel de MapEdit. Et donc, on présentera les autres mois les autres solutions. Mais gardez en tête, c'est cette plateforme qui est vraiment centrale et qui offre des outils adaptés à chaque profil. Parce qu'un profil n'est pas obligé de se charger avec des fonctionnalités qu'il n'a pas forcément toujours besoin. Donc, comme ça, il va droit direct à l'information qu'il a besoin. C'est bien d'avoir une base de données d'information, mais ceci, c'est pouvoir accéder à l'information de manière simple, c'est aussi très performant. Donc, MapEdit, c'est aussi un site internet DE. Bon, il y a la version le.fr qui va s'ouvrir prochainement, mais tout est en français. Vous pouvez y accéder et avoir énormément d'informations sur ce site. Et donc, voilà. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez les rédiger dans le chat. On peut y répondre. Et si vous avez quelques questions. Et sinon, je vous fais. Donc voilà. Ou autrement, pour toute question que vous aurez, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou
à vous adresser directement à l'équipe Man and Machine France qui est là pour vous suivre, pour répondre à vos besoins et répondre à vos cas d'utilisation et répondre concrètement à vos besoins, aller plus en détail dans ce que vous faites vous et voir comment cette solution peut répondre à vos besoins et pour répondre à vos besoins de digitalisation, de smart city, de BIM, voilà, toutes ces questions qui se posent. On parle d'informations, on parle de données. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour plus de données. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à très bientôt pour notre prochaine session de webinaire. Et donc, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous. Plus de détails et notamment pour avoir les données du webinaire. Je vous dis donc à très bientôt. Oui, bonne Merci. journée. Merci.